Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut porter pour pouvoir prétendre avoir le swag en fait. Alors le mot swag est un mot qui est très d'actualité en ce moment, on le trouve dans les chansons américaines, un petit peu dans la bouche de tout le monde. Alors avant toute chose, ce qu'il va vous falloir, ce sont des snapbacks, des casquettes de type américaine, comme ceci. Voilà. Le principe de la snapback est en fait qu'elle possède ceci qui permet de régler la taille de la casquette. C'est aussi simple que ça. Donc, des casquettes comme ça, différents types de casquettes, un petit peu assorties aux différentes couleurs que vous allez mettre, du bleu, si vous préférez du rouge, Chicago Bulls, qui représente aussi ces casquettes, soit des équipes de basket, des équipes de football américain, tout simplement, également NFL. Donc voilà. Au niveau des hauts, ce que je vous recommande, c'est des t-shirts marqués, des t-shirts avec un logo dessus. Ça représente beaucoup le swag américain. Sinon, des chemises à carreaux. Comme ceci, très tendance également. On trouve beaucoup de chanteurs américains qui portent ce genre de chemise. Et sinon, une veste en jean, mais sans manches. C'est également très 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 swag et très tendance dans le milieu de la mode. Voilà. Il faut penser aussi à ce petit bracelet qui s'appelle Shambhala. Alors c'est un bracelet qui est également porté par tous ceux qui ont créé le mouvement swag. C'est voilà, il est très fin. Les vrais, comme celui-ci, ils sont assez lourds. Si jamais vous trouvez des bracelets légers, c'est que c'est une imitation. Mais ça peut également correspondre, enfin, à ce que vous voulez, quoi. C'est comme vous voulez. C'est un bracelet très tendance. Au niveau des pantalons, je vous recommanderais ce type de pantalon. Un peu. Celui-là est marron, avec des petits ourlets au niveau des pieds. Donc voilà, des pantalons assez larges, assez amples, qui vont bien prendre tout le pourtour de votre corps. Et enfin, au niveau des chaussures, ce que je vous recommande, ce sont des Jordan. Des Jordan, comme vous voulez, c'est selon vos goûts, vos couleurs préférées. Moi, j'ai choisi pour la noire et rouge. Enfin, la grise, Jordan Flight, Jordan 5 rétro, celle que je vous ai présenté juste avant. Ou si vous n'êtes pas trop Jordan, je vous recommande ce type de paire de Nike qui rentre également dans tout ce qui est swag. Vous pouvez également prendre des Vans, hein, ou des Victoria, ou enfin toutes sortes de chaussures un peu tendance, comme on entend un petit peu parler très régulièrement. Voilà, je vous remercie.